Mais il porte bien son prénom. Léonide, c'est un lion, un homme fort, mais avec un cœur transformé, avec un cœur doux, avec un cœur qui est tombé à son tour en amour avec Jésus. Ouais. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Bruno et à Sacha, qui ont fait partie des études bibliques et qui ont vu, qui ont assisté à la transformation de Léo. Je suis très heureux, très content aujourd'hui que Léonide soit baptisé. Quand nous sommes arrivés au Canada, on a prié beaucoup, on a rêvé de baptiser quelqu'un qui parle russe. Et aujourd'hui, Dieu a répondu à notre rêve. Léonide a un très bon cœur pour le Dieu. Elle aime le Dieu, elle aime la Bible. Elle est très bonne amie. Et je suis heureux qu'il va baptiser aujourd'hui. La famille peut savoir une étude active là, qui va bien. Puis Léonide était la réponse à notre prière. C'était l'étude que j'ai vue qui était la plus agréable. À toutes les étapes, c'était vraiment bien. Il y avait un cœur qui était ouvert. Et, même si à cause de ses études, il dormait juste 3 ou 4 heures par nuit, il avait toujours lu ses passages de la Bible. Il était prêt, il avait des questions. Il avait le cœur ouvert. Il était vraiment extraordinaire. Même quand il y a eu des défis, il a eu une bonne attitude. Il les a pris, il a démontré de la métanoïa. On dit « Wow, c'est super le fun ». Donc, c'est vraiment agréable. Donc là, on a toute une pièce d'homme avec nous, mais c'est un enfant spirituel maintenant qui va renaître de nouveau. Donc, on a un beau gros poussin de Pâques avec nous. C'est une belle occasion. C'est tout un beau cadeau qu'on a. C'est un disciple idéal. Même peut-être, je trouve que sa discipline spirituelle maintenant est plus inspirante que certains disciples que je connais. Donc, on peut tout profiter de la fête de Pâques pour renouveler notre engagement, justement, puis être sharp devant Dieu. Alors, dans les Écritures, la parole de Dieu parle du fait qu'avant de plonger dans les eaux du baptême que vous voyez à ma gauche ici, un homme doit faire une confession de foi par laquelle il s'engage devant les témoins et devant Dieu à marcher dans les voies de son Seigneur. Alors, Léo, j'ai deux questions à te poser. La première question, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour? Yes, I do. Et quelle est ta bonne confession? Jesus is my Lord and my Savior. Amen! Alors, Léonide, à cause de ta bonne confession, en présence de Dieu et de tous ses témoins, nous allons maintenant te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour le pardon de tes péchés, tu vas recevoir non seulement le pardon de tous tes péchés, mais tu vas recevoir également le don de l'Esprit Saint et tu vas être ajouté au royaume de Dieu, à l'Église sur terre. Allons-y. Je demanderai à tout le monde de rester assis, s'il vous plaît, sauf ceux et celles qui prennent des photos. Merci. Aide-moi à garder ces... Ouais. Yeah! Alléluia, ô Père, comme tu nous...